mettez autant d'huile, vous savez pas que c'est moins belle l'huile? Non, parce qu'il y en a beaucoup quantité. Hein. Il y en a plein, il faut mettre de l'huile, si ça c'est pas bon. Mais une quantité de quoi? Des poulets, des poissons, des lapins, des gambas. Ah, mais là ça fait beaucoup quand même. Et là vous préparez quoi, madame? La paella. Et là vous mettez quoi dans la... Dans la... Et où est-ce que vous avez réussi à trouver des poêles aussi grandes? En Espagne. Ah, vous les avez faites venir d'Espagne? En Espagne, il y a en Espagne. Et alors? Tu me dis que me das una paella, que yo como no va a venir. No puedo estar aquí. Est-ce que c'est difficile d'organiser une paella pour beaucoup de gens? Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est une paella européenne. Ah, donc c'est pas une vraie paella alors? Oui, c'est une vraie paella. Ah, c'est une vraie paella? Bien sûr que c'est une vraie paella. Ah si, mais je pensais qu'il y avait une différence entre la paella européenne et la paella espagnole. Européenne signifie qu'on a beaucoup de religions. Ah d'accord, donc en fait il faut faire un effort sur les viandes, etc. Voilà. Ah d'accord. Pas d'effort. D'accord. Alors comment ça se passe la préparation de la paella? C'est difficile, monsieur. Restez là et vous le voyez. Voilà, vous voyez. Mais pour l'instant, vous vous en sortez bien, je trouve. C'est la paella qui ça vous place. Bonjour mon père. Ça va? Comment allez-vous mon fils? Ça va mon frère. Bon. Vous prenez des photos ou vous filmez? Je filme. Ah d'accord. Je filme parce qu'il y a l'action. Vous êtes le père du quartier d'Aligre? Ouais. C'est vrai? Ouais. Où est-ce que vous êtes? Bah, Saint-Antoine. D'accord. La paroisse Saint-Antoine, au bout de la rue. Formidable. Voilà. Et vous allez venir ce soir? Non, je crois pas. Ce soir, je vais rester chez moi et je vais prier. D'accord. Oui. La cuicui, ça commence. Philippe, tu t'es assis à trois rangs devant moi ce matin. D'accord, regardez un petit peu. Thank you.